Oh, mais rassurez-vous, hein. Ils ont l'air tout à fait inoffensifs. On dirait d'ailleurs qu'ils ne peuvent ni nous voir, ni nous sentir. Enfin, c'est ce que je crois. On les voit pas pendant des mois. Et puis ils recommencent. C'est là-bas, près du canal, qu'ils se donnent rendez-vous. Alors je vous préviens tout de suite, hein. Ça sert à rien de prendre de photos. J'ai essayé, mais rien ne s'imprime. On voit le canal, mais eux, on les voit pas. Moi, je les dessine. J'ai toujours un carnet de dessins et quelques fusains dans ma poche. Mais malheureusement, scientifiquement, ce n'est pas valable. Il y en a même qui disent que les Stambrugeois ont inventé toute cette histoire uniquement pour faire marcher le commerce. Mais n'allez pas croire ça. Bon. Alors, si nous voulons avoir une chance de les apercevoir ce soir, je vous demanderai de bien vouloir me suivre en silence. À ce propos, vous avez bien coupé vos GSM ? Alors, je vous demanderai aussi, pour que tout se passe bien, de bien suivre mes consignes de sécurité. C'est d'accord ? Vous êtes prêts ? Oui. Attendez, attendez. Hein. Attendez, parce que... Vas-y, enchaînez-vous. On le refait chaque fois ici, des personnages qui jouent... Ils sont plusieurs à jouer ce rôle. Vas-y Véronique, commence. Bonjour à tous et à toutes. Oh là là, vous êtes venus nombreux. C'est vrai qu'à Stambruge, pas plus qu'ailleurs, peut-être les nouvelles vont vite. Et puis avec Internet. Mais bon, moi Internet, je ne m'y connais pas. Mais bon, c'est quand même moi qui les ai vus pour la première fois. Peut-être parce que je suis noctambule et que voilà. Alors, ils se réunissent là-bas, on va aller les voir. Ils sont inoffensifs, je crois qu'ils nous entendent, qu'ils nous voient, mais on va demander quand même faire silence pour qu'ils ne s'en foutent pas. Alors aussi, les photos, c'est pas la peine, j'ai déjà essayé, il n'y a rien qui s'imprime sur la pellicule. Alors, je vous demanderai de ne pas en faire, ça ne sert à rien. Faites comme moi, je fais des dessins, j'ai toujours mon cahier pour faire des dessins et quelques crayons. Et puis voilà. Il y en a aussi des mauvaises langues qui ont dit qu'on avait fait tout ça pour faire de la publicité pour Stambruge et pour vous faire venir. Ce sera à vous de juger tout à l'heure. Et maintenant, on va y aller. Mais d'abord, il faut que vous coupiez vos GSM pour ne pas les effrayer. D'accord? On va y aller, on va aller les observer là-bas. Et puis après, on verra si on continue. Voilà. Olivier. Bonsoir. 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 Wow. Je vois que vous êtes venus nombreux, hein. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, les nouvelles vont vite. En vous regardant, je me rends compte que je connais pas grand monde. Mais c'est normal, je suis nouvel habitant. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui les ai vus pour la première fois. C'est peut-être parce que je suis noctambule. Ah, ils ne sortent que la nuit. Mais rassurez-vous, hein, ils ont l'air inoffensifs. Ils ne peuvent ni nous sentir, ni nous voir. Enfin, c'est ce que je pense. Parfois, on ne les voit pas, puis tout d'un coup, pouf, ils reviennent. Ils réapparaissent. C'est là-bas, près du canal, que je les ai vus pour la première fois. Ah, je vous préviens tout de suite. Ça sert à rien de faire des photos. Ça s'imprime pas. Moi, j'ai essayé, mais on voit rien du tout. Que le canal. Ce que je fais, moi, je fais des dessins. Je prends mon carnet, un crayon et je les dessine. Alors, c'est vrai que scientifiquement, c'est pas une preuve. Il y a des mauvaises langues qui disent que les habitants de Stambruge ont inventé toute cette histoire pour faire vivre le tourisme. Et que cela a même donné encore une bonne occasion à Jacques Ican, je nous inventais un fromage. Bon, avant de démarrer, je vais vous demander de marcher en silence et surtout d'éteindre vos GSM. Parce que si vous n'éteignez pas vos GSM, bah, ils vont partir. Ça va? Alors je vais vous demander de suivre scrupuleusement toutes les consignes de sécurité. D'accord? Vous êtes prêts? Oui! Vous êtes prêts? Oui! Allez, on y va! En silence, je dis. Hein.